réussi à se faire? Elle est loin derrière sur les premiers obstacles ou... Non, et il y a une petite seconde sur le premier obstacle, un peu moins de 2 secondes sur le deuxième, et la voilà dans le troisième. Maintenant, l'obstacle Vector SA. Donc là, sauf erreur, 3 points de différence, ça veut dire une quinzaine de secondes d'avance. Là, c'est intéressant parce que cet obstacle Vector, entreprise d'échafaudage, on vous l'a dit, il n'y a pas d'obstacle tombant, donc il ne peut pas y avoir de pénalité due au pitbull jaune. Par contre, ben, il faut aller vite, il faut prendre du temps, c'est là qu'il va falloir essayer de récupérer sur le chronomètre. 50,3, c'est le temps de Christophe Koenig dans cet obstacle-là. Va être encore un peu plus long, hein, 52...